Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a esta tercera conferencia del ciclo de Raúl Dufy, dedicado a Raúl Dufy en los orígenes de la vanguardia. Esta tarde tenemos la suerte de tener nosotros a la mayor especialista en la obra de Raúl Dufy, Dora Pérez Tibi. Dora Pérez Tibi, bueno, le doy las gracias por haber participado, acceder a participar en este ciclo de conferencias y también a su hijo que ha venido hoy con nosotros, nos acompaña, Bernard. Dora Pérez Tibi, como decía, se diplomó en museología por la École du Louvre y más tarde hizo la carrera de Historia del Arte y de Arqueología en la Universidad de la Sorbona, donde leyó la tesis en el año 1985 sobre la obra de Raúl Dufy. Ya me contaba cómo estuvo buscando toda la documentación de manera muy minuciosa y cómo tuvo contacto también con el autor del catálogo razonado de la obra de Dufy, Monsieur Lafaille. En esta tesis doctoral consiguió un premio, el premio Elie Faure, en memoria de uno de los máximos historiadores franceses del siglo XX. En el año 1989 publicó una monografía, que es todavía hoy la monografía más importante sobre la obra de Dufy, en la editorial Flammarion, y posteriormente en el año 97 también ha escrito un libro con Jean Fournieris, El abecedario de Dufy. También ha comisariado muchas exposiciones sobre Dufy y ha participado en los catálogos de las exposiciones, como por ejemplo en nuestra exposición, donde ella ha escrito un magnífico texto. Y entre las exposiciones que ha comisariado y en las que ha participado, querría citar la que se celebró en el año 1990 en París, también en el año 1990 en Perpiñán, en Tokio en el año 1991-93, en Vans en el año 93, si no recuerdo mal, en Roma en el año 95-96, en 97 en Martigny, en la Fundación Yanadá, y en el año 2008 la exposición que se celebró en el Museo d'Art Moderne de la Ville de París, que fue la última gran exposición retrospectiva de Dufy. Bueno, he de decir que yo agradezco y agradeceré siempre a Dora Pérez Tibi su magnífico libro, donde he aprendido muchísimo sobre Dufy. Creo que es la persona que posiblemente mejor conoce la obra de Dufy, y es una suerte tenerla con nosotros, y sus explicaciones, su minuciosidad a la hora de elaborar el libro, que se basa en su tesis doctoral, y también las explicaciones tan ricas que aporta en su libro, sobre todo, por ejemplo, sobre la relación entre Dufy y la obra de Cézanne, creo que son magníficas, y no me extraña que recibiese ese premio, el premio Elie Faure. Bueno, muchísimas gracias y les dejo a todos ustedes con Dora Pérez Tibi. Merci. Bien. Bonjour, je vous remercie de votre attention. Raoul Dufy, je voudrais... L'autoportrait. Comment ça marche, ça? Voilà. Voilà, c'était là. Bien. Nous avons ici l'autoportrait de Raoul Dufy. Il a 20-21 ans. Il est né au Havre, en Normandie, en 1877. Il fréquente l'école des beaux-arts de sa ville natale. Puis il va rejoindre Paris en 1900, au moment où l'exposition universelle, qui est une grande exposition, bat son plein au Grand Palais et au Petit Palais à Paris. Ils viennent d'être construits d'ailleurs à cet effet pour recevoir cette exposition universelle. C'est le Grand Palais qui est le siège de cette exposition centenale, et cette exposition illustre la création française de 1800 à 1899. Son organisateur, c'était le critique d'art Roger Marx,
qui a exposé à côté des grands maîtres de l'art classique, romantique et réaliste, des œuvres de Cézanne, de Degas, de Gauguin, de Matisse, de Monet, Pissarro, Seurat, Sisley, Vallotton, Rodin, donc tous des peintres qui sont fin 19e et début 20e. Picasso vient spécialement de Barcelone à Paris pour visiter cette exposition universelle. Mais Dufy, lui, ne s'y rend pas. Raoul Dufy, vous le voyez ici, c'est un jeune homme à l'allure très sage, réservé, qui fréquentait les plus belles salles de concert car, à Paris, et plutôt que les cabarets. Pourquoi les salles de concert ? Parce que son père était organiste dans l'église Saint-Joseph du Havre et il avait communiqué sa passion de la musique à tous ses enfants qui étaient musiciens. Et Dufy va garder de ça, de son enfance, un profond amour de la musique qu'il va manifester tout au long de son œuvre, en particulier ses compositions d'orchestre, de musiciens, et vers la fin de sa vie, ses hommages aux grands compositeurs et aux représentations d'orchestre et de musiciens. À Paris, donc, nous sommes en 1904, Dufy va rejoindre son ami Othon Friez dans l'atelier du peintre Bonnat. Il ne peut pas se plier à l'enseignement académique de l'École des Beaux-Arts, mais il va acquérir une extrême dextérité au dessin, au point de s'astreindre à utiliser sa main gauche pour juguler cette facilité qu'il avait et qui était toute naturelle. Et Dufy peindra tout le temps de sa main gauche. Si Raoul Dufy reste indifférent à l'enseignement de l'École des Beaux-Arts de Paris, il va par contre fréquenter assidûment le musée du Louvre, où il découvre avec un enthousiasme extraordinaire les œuvres de Claude Gelée, qu'on appelait aussi le Lorrain, qui était son dieu, et pour lequel il va réaliser entre 1927 et 1947 toute une série d'hommages à Claude Lorrain. Raoul Dufy fréquente également les galeries d'art parisiennes, et c'est avec enthousiasme qu'il allait découvrir les œuvres de Van Gogh à la galerie Bernheim en 1901, et celle des maîtres impressionnistes dans la galerie Durand-Ruel. À ses débuts, Raoul Dufy ne pense pas vraiment, contrairement à son ami Friez, qui était comme lui du Havre, il ne voulait pas donner de rudes secousses à l'art, il ne voulait pas ébranler les vieux principes. Mais il est important de dire que l'œuvre de paysagie de Raoul Dufy s'amorce dès sa période de formation au cours de son premier maître, Charles Lullier, ses cours qui étaient dispensés à l'école municipale du Havre et qu'il fréquentait avant de venir à Paris. Et ses premiers paysages de Normandie se réclament de la peinture en plein air, entre guillemets, et se ressentent de l'influence du peintre Eugène Boudin dans les jeux de reflets de lumière, comme nous allons le voir. Et avec son condisciple Friez, il va partager dès ses débuts une même admiration pour Poussin et Delacroix, dont il a découvert la justice de Trajan au musée de Rouen, en Normandie. Et ces versions... Pardon. C'est comme ça ? C'est la flèche, là ? Voilà. Ces versions de la plage Sainte-Adresse de 1901-1902 témoignent d'une remarquable exécution très libre face au motif. Et Dufy s'emploie à traduire l'instantanéité d'un moment au moyen de cette touche très fragmentée, très rapide. On peut y lire d'ailleurs une certaine vibration de l'atmosphère et la mouvance du ciel également, qui est le vent qui agite le drapeau. Et c'est lors d'un premier séjour à Martigues, dans le midi de la France, que Dufy va découvrir la lumière méditerranéenne. Et ses œuvres vont s'éloigner d'une veine impressionniste, elles vont tendre alors vers des recherches chromatiques propres au fauvisme. Nous avons ici le yacht pavoisé de 1904, qui est conservé au musée des Beaux-Arts du Havre, et qui témoigne ici de l'allégeance de Dufy à l'esthétique impressionniste. Vous voyez que sa touche traduit la mouvance du ciel, la vibration de la lumière naturelle,
la transparence de l'air d'ailleurs, qui fait claquer les pavillons des mâts et qui fait onduler la surface de l'eau. On décèle pourtant ici, dans le jeu des lignes verticales, obliques, horizontales, un souci de structure, de structurer sa composition, et ce besoin de structure, dans tous ces tableaux, ne va jamais l'abandonner. Et c'est à Paris, au Salon des Indépendants du mois de mars de 1905, que Raoul Dufy va subir un choc devant l'œuvre de Matisse, Luxe, calme et volupté. Cette œuvre se trouve conservée au musée d'Orsay à Paris. Wow. Elle devait l'entraîner sur la voie du fauvisme en lui révélant, comme il l'a déclaré, toutes les nouvelles raisons de peindre. Et il va ajouter « Le réalisme a perdu pour moi son charme à la contemplation du miracle de l'imagination introduit dans le domaine et la couleur. » Et il raconte « Je compris tout de suite la nouvelle mécanique. » Et il déclarait en 1925 toute sa reconnaissance envers sa dette aussi envers Matisse. Ce n'est pas tellement le procédé de représentation des formes dans cet espace totalement imaginaire, avec un éclatement de couleurs mosaïquées qui le frappe, car Dufy est déjà familiarisé avec le néo-impressionnisme des œuvres de Signac, qu'il va découvrir en 1904 à la Galerie Druet à Paris. Mais ce qui le touche, c'est l'atmosphère même de cette rutilance totalement arbitraire des coloris. Vous voyez, le sable rouge, les corps aussi qui sont métamorphosés, et puis la colline bleue, le ciel également. Et toute cette rutilance est expressive du sentiment intérieur de Dufy, pour lequel Matisse, pour lequel il va éprouver un sentiment d'admiration et de réserve jusqu'à la fin de sa vie. Matisse, vous savez, était un être à l'aspect austère. Et il fut pendant très longtemps très distant avec Dufy, il lui a témoigné même une certaine hostilité. Et Berthe Veil, qui a écrit la biographie de Dufy, qui s'intitule « Pendant l'œil » ou « 30 ans dans les coulisses de la peinture contemporaine », qui a publié donc son livre des années 1900-1930, Berthe Veil évoque à propos d'une exposition de groupe qu'elle organise en novembre 1905, Dufy m'ayant exprimé le désir de faire partie de ce groupe, j'accepte. Et j'en fais part à Matisse qui, furieux, s'écrie « Ah non ! Ce petit jeune homme qui veut se faufiler parmi nous, nous n'en voulons pas. Mettez-le dans l'autre salle si vous voulez. » « Pas commode, notre cher espoir, » ajoute Berthe Veil. Dufy est donc du groupe, sans y être tout à fait, tout en y étant. Il a sa petite exposition personnelle dans l'autre salle. Alors, vous voyez que « Luxe, calme et volupté », ce tableau de Matisse, est très inspiré de l'invitation au voyage du poète Baudelaire, dont je vous donne les noms, les dates 1821-1867, et Matisse a transformé la baie de Sainte-Adresse en un paysage totalement idyllique, animé de baigneuses aux formes très dignes d'Ingres, très allongées. Et en même temps, dans ce paysage, qu'il a totalement réinventé, il nous invite à son déjeuner sur l'herbe, persuadé que, comme il l'écrit, là, tout n'est que beauté, luxe, calme et volupté. Et c'est ce qui donnera le titre à cette œuvre. Et cette œuvre a profondément marqué Dufy, qui va se diriger de plus en plus vers l'esthétique impressionniste. Nous voyons ici le bateau pavoisé qui est au musée des Beaux-Arts de Lyon, qui atteste le changement de cap opéré par Dufy en 1905, car la réalité qu'il observe n'est plus imitée. Dufy réinvente cette réalité, il transforme en aplat coloré justement toute la représentation, il confère un rôle plastique à la couleur. Il simplifie les formes, il les réduit à leur expression picturale. Il fera de même lorsqu'il va représenter l'estacade. Ah non, ça ce sont les affiches. Pardon, il n'y a pas l'estacade ici. Ah bon, je ne sais pas. L'estacade ou la plage de Sainte-Adresse, cette œuvre qu'il va réaliser, je ne l'ai pas ici, je ne sais pas pourquoi, à son retour au Havre durant l'été 1905, qui confirme ce nouveau tournant pictural. Les couleurs ne sont plus expressives du sentiment intérieur du peintre. Il va réinventer la réalité et
C'est pas possible que j'ai ça. On est très loin de ces affiches, alors je vais vous lire. La vision subjective de Dufy, qui va réinventer la réalité, il va utiliser une technique en aplat qui exprime les formes en touches réduites à l'essentiel, et peindre, disait Dufy, c'est faire apparaître une image qui n'est pas celle de l'apparence des choses, mais qui a la force de la réalité. Et en 1948, à Pierre Courtion, il va relater une expérience qui a conforté justement ce cheminement. Alors Dufy va se rallier au groupe des peintres fauves, qui sont Matisse, Derain, Vlaminck, Rouault. Et la fin de 1905, les années 1906 et 7, voit la réalisation et l'épanouissement d'œuvres qui sont empreintes d'une certaine exaltation lyrique. Dufy a pris conscience de recréer le réel qu'il observe, suivant sa propre réalité, et il va élaborer ce qu'il appelle sa théorie de la couleur-lumière, qu'il va expérimenter entre 1906 et 1907, et qu'il va appliquer à toute son œuvre. Il va déclarer « Je suis amené spontanément vers ce qui fut toujours par la suite ma véritable préoccupation. J'avais découvert mon système, dont voici la théorie, à suivre la lumière solaire, on perd son temps. La lumière de la peinture, c'est tout autre chose. C'est une lumière de répartition, de composition, une lumière couleur. » Et ces propos corroborent certains passages d'un texte manuscrit inédit qui a détaillé cet axiome qui a guidé son art. Quand je parle de la couleur, il est bien entendu que je ne parle pas des couleurs de la nature, mais des couleurs de peinture, des couleurs de notre palette, qui sont les mots dont nous formons notre langage de peintre. Et Dufy ajoute plus loin, ne croyez pas que je confonde la couleur avec la peinture, mais comme je fais de la couleur l'élément créateur de la lumière, on voit qu'elle est dans ce dessin, dans ce rôle, le dessin, le grand bâtisseur de la peinture. Et la couleur réduite au coloriage est bonne pour les images et ne peut donner de réelles satisfactions profondes ou brillantes. Si Raoul Dufy est redevable à Matisse du tournant opéré dans son œuvre, c'est avec le peintre Marquet qu'il va se sentir le plus d'affinité. Marquet va l'entraîner, le guider sur la voie du fauvisme. Et en 1906, ils vont travailler côte à côte au Havre, à Trouville, à Honfleur, trois villes de Normandie. Ils vont peindre les mêmes motifs et leurs œuvres vont témoigner d'une certaine parenté. Mais Dufy est plus spontané et il va s'exprimer dans un graphisme beaucoup moins aigu et une couleur beaucoup plus riche que Marquet. Alors nous avons ici les affiches à Trouville de Dufy qui sont au Musée national d'art moderne. Et dans ces affiches à Trouville, nous voyons chez Dufy quand même un souci de construction qui va s'affirmer. Vous voyez la disposition des placards publicitaires en oblique qui va attester chez Dufy cette volonté de repousser et d'éviter toute perspective. La palissade est parallèle au plan du tableau et elle manifeste un refus total de restitution de l'espace. Comme Marquet, Dufy va utiliser les couleurs naturellement vives des affiches qui transposent une sensation où toutes les tonalités sont exemptes de violence. Alors il est certain que pour Dufy, comme pour Marquet, le fauvisme n'a pas constitué une épreuve du feu, où les couleurs devenaient des cartouches de dynamite, comme ce fut le cas pour le peintre Derain. La charge expressive véhiculée par la couleur chez Dufy a pour but essentiel de traduire l'animation de la promenade de Trouville. Les passants, les promeneurs, sont profilés en silhouette sur les panneaux. Ils sont évoqués avec sa fantaisie coutumière. Les gestes et les attitudes sont rapidement notés. Quelques couches de peinture lui suffisent, en aplat. Et il est saisi d'un graphisme très spontané, très preste. Et ce graphisme, justement, suscite et suggère le plaisir de la joie de vivre qu'il veut exprimer. De même que dans les œuvres de Marquet, les œuvres de Dufy, qui sont exécutées pendant cette période, trahissent une influence de Manet, auquel ils sont très sensibles, et ces œuvres qu'ils ont découvertes au Salon d'automne de 1905. Durant la période fauve de Dufy, son art va s'exprimer dans un graphisme beaucoup moins aigu, beaucoup plus souple, et son chromatisme plus riche,
Voilà. Plus riche que celui de Marquet. Et son écriture va être plus spontanée, plus lyrique. Et en même temps, elle va cohabiter avec une facture plus serrée. Nous avons ici les trois ombrelles d'une collection privée de Houston, aux coloris très éclatants, aux accords subtils. Et Dufy ici prend ses distances vis-à-vis de la couleur et du réel. La couleur est dépouillée de tout rôle descriptif. Elle est chargée d'un pouvoir très expressif. Et elle affirme justement le nouveau point de vue esthétique du peintre. Nous voyons que ce morcellement de la touche qu'on a pu apercevoir dans ses premiers tableaux a pratiquement disparu au profit de peintures mises en aplats, des aplats simplifiés plus ou moins étendus. Et cette technique en aplats, il la doit à Gauguin. Et c'est cette pratique, justement, cette technique, confère une valeur essentiellement plastique et non plus descriptive au paysage. Les formes sont aplaties, synthétisées, et elles se situent parallèlement au plan du tableau, sans ligne de fuite. Et à la perspective fuyante traditionnelle, Dufy a substitué ici une représentation en bandes parallèles, les unes au-dessus des autres, coupées par une série de verticales très rigides. L'oblique de l'estacade du casino de Marie-Christine, très japonisante, vient marquer une rupture des plans horizontaux, comme ici, horizontaux par exemple. Quant au ciel, il se réduit à un espace très restreint dans ce tableau. Alors nous abordons ici le thème de la rue pavoisée au 14 juillet. Ce thème a inspiré à Dufy en 1906 près de 11 versions, très différentes les unes des autres, très variées, un peu à l'image d'un compositeur qui reprend à l'infini sa phrase mélodique en musique. Et la démarche de Dufy est révélatrice d'une pleine possession de ses moyens. Il va laisser libre cours à son lyrisme pour transposer la réalité au profit d'une imagination plastique très poétique. Et sa composition, vous voyez, est ponctuée de pavois, de tableaux, de drapeaux tricolores qui se sont situés tout au long des maisons étagées qui bordent une rue en perspective montante. Et l'écriture est très simplifiée. Cette technique qu'il utilise pour ménager des espaces blancs entre les touches de couleurs pures, qui courent sur la toile et qui nous restituent justement toutes ces couleurs, une sensation d'allégresse. Vous voyez que le premier plan de sa composition laisse apercevoir en transparence du tableau la silhouette des personnes. Et il traduit ici deux impressions surajoutées dans le temps qui sous-tendent une idée de continuité et contraire à la vision instantanée des impressionnistes. Là, on a une vision complètement constante, non pas statique, mais qui évoque justement cette composition dynamique en même temps, dynamisée par la couleur. Alors nous voyons ici confirmer cette option créatrice de Dufy, qui va se détacher d'une représentation très fugitive de la réalité pour ne restituer que l'essentiel. Et dans cette œuvre, Dufy va laisser leur pleine valeur d'organisation plastique aux drapeaux qui sont démesurément agrandis. Vous voyez que leurs taches de couleur très larges vont rythmer comme des clairons de musique cette composition monumentale de leur chant d'allégresse. Il est important ici de noter que Dufy a gommé et enlevé toute anecdote. Il n'y a pas de foule bigarrée. Les silhouettes sont représentées en aplats, les personnages également, qui contribuent à la structure du tableau, tout comme les éléments d'architecture que nous voyons à droite, que Dufy adapte pour servir une composition bidimensionnelle. Et les drapeaux, finalement, qui sont les drapeaux de la fête nationale, deviennent ceux du Fauvisme, qui exploite ce motif à la manière de Claude Monet dans sa fête nationale de la rue Montorgueil. Van Gogh va reprendre ce thème en faisant le lien entre les versions fauves de Manguin, de Marquet et de Dufy. Et finalement, on voit que un demi-siècle après le peintre américain Jasper Johns, Dufy a remis à l'honneur le motif du drapeau dans l'art
aussi bien comme le fera Jasper Johns dans l'art américain qui va triompher en pleine abstraction. Le style fauve de Dufy va témoigner d'un plein épanouissement en 1907. Et si la couleur de Dufy, dans ses tableaux, va garder un grand pouvoir expressif, il y a quand même un souci de composition dans ses tableaux comme dans Jeanne dans les fleurs, de 1907 du musée des Beaux-Arts du Havre, qui témoigne d'un désir de tirer un effet décoratif dans cet agencement de couleurs, très proche du style de Matisse, auquel il n'est pas étranger également l'art renouvelé d'un Gauguin, par exemple. Dans cette quasi-abstraction du premier plan, nous voyons se détacher ce vase de fleurs qui met en valeur justement le second plan qui s'organise en taches de couleurs, en aplats et également avec ses arabesques très sonores. La terrasse sur la plage que vous avez ici à l'exposition de 1908, dans ce tableau, Dufy va rompre avec toute description naturaliste. Les surfaces colorées, comme vous le voyez, vont vibrer entre elles. Elles ménagent même des affleurements à la toile. Et il y a une tendance à la simplification des formes que l'on peut voir. Les formes sont aplaties, déployées de leurs contours. Elles deviennent des signes à la limite de l'abstraction. Et nous voyons ici comment le style fauve de Matisse va aller en mûrissant. Et cette maturation est attestée par une volonté d'épuration, de simplification, tant dans la composition que dans la transposition même d'une apparence qui reste encore visible. Les œuvres de Cézanne, qui sont exposées au Salon d'automne de 1907 et à la Galerie Bernheim-Jeune, vont profondément marquer Dufy. Il va délaisser complètement le fauvisme pour une interprétation très personnelle du cubisme, très proche des recherches de Cézanne. Et ses œuvres qu'il va réaliser dans le Midi sont davantage marquées par des préoccupations essentiellement formelles. Voilà. Une tendance à une schématisation des formes que vous voyez ici va se faire jour, qui rompt avec toute description naturaliste. Dans l'apéritif, nous pouvons identifier les arbres, les personnages, les guéridons, mais toute anecdote est absente au profit de certains rythmes qui sont juxtaposés dans une sorte de tourbillon à la limite de l'abstraction. Voilà, c'était ce tableau que je vous décrivais. Vous voyez qu'il est à la limite de l'abstraction et les œuvres sont posées pour créer une sorte de dynamique simplement qui vise à gommer presque toute description naturaliste. C'est un agencement de formes dans l'espace, de formes qui rythment la composition, de formes très dynamiques qui vont être très souvent l'apanage du style de Dufy à cette époque. Nous allons voir ici la suite des barques à Martigues. Je ne les vois pas arriver, mais elles vont arriver. J'appuie pourtant. Ah, là, voilà. Voilà, ces préoccupations essentiellement formelles vont nous faire découvrir cette tendance de Dufy à une schématisation des formes qui vise à rompre toute vision et toute description naturaliste, on l'a vu ici, mais dans la suite des barques à Martigues que nous voyons là, il y a cette même orientation de son art. Si Dufy va sacrifier un certain chromatisme qui se fait jour ici, il va disposer ses formes en perspective étagée. Il n'y a plus justement ces perspectives en ligne de fuite et il va donner la primauté à ses formes et à son écriture presque géométrisée dont la répétition va rythmer la composition. Vous voyez cette succession de formes qui vont jusqu'en haut du tableau. Et cette œuvre charnière se ressent de l'influence de Cézanne, qui présage la nouvelle voie où vont s'engager les recherches de Dufy au début des années 1908.
Dufy va se rendre à l'Estac, aux environs de Marseille, en compagnie du peintre Braque. Ils vont alors tous deux réaliser des paysages très proches qui témoignent de leur nouvelle orientation. Je vais vous montrer ici les arbres à l'Estac du Musée national. Ah ben non, ça c'est encore les bateaux à quai dans le port de Marseille. Les arbres à l'Estac. Il y a les arbres à l'Estac avant, c'est pas grave. Nous avons ici dans le port de Marseille, nous avons cette disposition très concentrée des motifs dans un dessin complètement géométrisé. Vous voyez que la composition est dense, il n'y a pas de perspective de fuite qui est totalement abolie. Et ce sont les plans colorés juxtaposés qui s'échelonnent à la verticale. Nous voyons donc cette tendance de Dufy dans ce souci d'organisation très structuré de l'espace qu'on va retrouver dans les arbres aromatiques. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas là. Voilà. Dans les arbres à l'Estac, vous voyez cette organisation du plan du tableau, ce paysage des arbres très géométrisé qui nous montre une rigueur très formelle dans l'agencement même de bas en haut qui structure justement l'espace de la composition. Il y a toute une tendance à une géométrisation des formes, vous voyez ces plans très géométrisés, très cubiques même, ou verticaux qui tendent à rompre complètement à une vision normale et très naturaliste d'un paysage avec des arbres. Je ne sais pas si ici nous allons voir... voilà. Au cours de sa période constructive, donc dans ces années 1907-1914, Dufy va introduire une figure qui est la figure de la baigneuse que je crois vous avez ici à l'exposition, c'est celle-là, qui inaugure toute une série d'œuvres qui allaient ponctuer les différentes périodes de sa carrière. Et cette œuvre va se ressentir justement de l'esthétique de Cézanne, aussi bien également de l'imagerie populaire que de l'art médiéval. Et cette grande baigneuse qui date des années 1913-1914 est le prototype. Vous voyez que c'est une figure monumentale qui occupe presque toute la hauteur de la composition, qui est très dense, elle est isolée et elle s'inscrit dans le paysage marin de l'enfance de Dufy, c'est-à-dire dans le paysage de la rade du Havre. Nous voyons ici la baie de Sainte-Adresse. La baigneuse est vêtue d'un maillot, assise sur ces rochers. Elle est de face, les jambes repliées, mais elle est entourée d'un environnement de formes géométrisées, colorées, qui se succèdent dans l'espace et qui nous évoquent justement la vitalité de la mer et des rochers, de la mer sur laquelle elle se détache, avec au fond toute la disposition la partie supérieure du tableau, qui sont les formes géométrisées des architectures de la ville de Sainte-Adresse qui domine la composition. Elle est assise dans une sorte de contrapposto, comme on l'appelle. Et le traitement du paysage ici se réfère véritablement au pré-cubisme cézannien, comme je vous le disais, avec ses plans colorés géométrisés, imbriqués les uns dans les autres. Et tout cet agencement qui peut être rigoureux, qui est magnifié par la couleur et qui est tempéré par les formes arrondies, justement, de la baigneuse très féminine qui apparaissent au premier plan. Vous voyez la stylisation du visage quand même, avec ses yeux fendus, très anguleux, qui présente une certaine analogie avec un masque nègre. Nous sommes en 1906, n'oublions pas. Et c'est une influence qui, pour Dufy, va être combinée avec l'influence qu'il a reçue des vitraux de la cathédrale d'Évreux, donc en Normandie, qu'il allait visiter. Mais n'oublions pas qu'à la même époque, Picasso va posséder des masques nègres, et ce sont eux justement qui vont l'amener justement à simplifier sa peinture. Et nous verrons chez Picasso justement cette tendance à la géométrisation
de la figure humaine. Cette grande baigneuse va connaître de grands prolongements. Il va la représenter en décor, dans la tapisserie, dans la céramique, dans la gravure. Elle va être donc également à l'aquarelle, à l'huile. Et pendant près de 6 années, nous voyons Dufy qui va complètement être, imprégné de l'art de Cézanne dans toutes ses œuvres. Et cette démarche nous montre justement cette conversion de Dufy à l'art de Cézanne dans cette recherche d'équilibre, de clarté, de structure qu'il va manifester tout au long de sa composition. Voilà, je crois que j'ai fini ici. Donc Dufy jusqu'en 1914. Évidemment, j'ai une phrase ici aussi importante. Quand je vous ai montré Dufy ici dès ses débuts, Dufy, comment penser à lui sans penser à la mer ? C'était l'une de ses sources les plus vives d'inspiration. En Normandie, c'est au contact de la mer, très vivante, parfois tumultueuse, et les ciels également normandiques, qu'il va très tôt se mettre à la peinture. Et c'est à son contact qu'il va comprendre l'importance de la thématique de la vision par l'intellect. Il dira, il y a une chose dont le peintre doit se méfier, c'est son œil. L'œil est l'ennemi du peintre, le peintre qui ne se fie qu'à son œil est trahi, et l'élément marin pour Dufy va être essentiel. Malheur à l'homme qui vit dans un climat éloigné de la mer, que n'arrose aucun fleuve aux eaux miroitantes. Les lacs, ça ne suffit pas. Le peintre a besoin d'avoir sans cesse sous les yeux une certaine qualité de lumière, un scintillement, une palpitation aérienne qui baigne ce qu'il voit. Et il dira encore, à suivre la lumière solaire, on perd son temps. La lumière de la peinture, c'est autre chose, c'est une lumière de répartition, une lumière de composition, une lumière couleur. Voilà, donc pour lui, la couleur ne doit pas avoir une fonction descriptive, c'est l'élément créateur de la lumière. On l'a vu dans le cargo noir. J'arrête ici mon exposé. Est-ce qu'il y a des questions à me poser ? Peut-être que je n'ai pas été suffisamment expressive dans certains caractères de Dufy et dans le style de son œuvre. Si vous avez des questions à me poser, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Dufy, donc, après cette interruption, va aller plus avant. Il va être initié, grâce à Poiret d'ailleurs, à l'art décoratif. Il va donc travailler pour les usines Bianchini-Ferrier. Il va s'adonner donc à un travail très créatif d'œuvres de décoration. Et en même temps, il va peindre également de grands panneaux que je n'ai pas apportés, j'aurais dû, qu'il a préparé, des panneaux de tapisserie ou alors de tenture sur lesquels il peignait pour décorer les péniches du peintre Poiret lors de l'exposition de 1917. Voilà. Et si vous avez des questions à poser, je vous remercie. Dufy, pourquoi il est si peu connu en Espagne ? Parce qu'il n'y a pas eu de collectionneurs espagnols qui ont acheté ses œuvres. Par contre, il est très connu en Angleterre, aux États-Unis, évidemment en Espagne. Pas. En Espagne, pas. Et en France En France, il est. C'est au musée du Havre que vous en voyez beaucoup. À Paris, évidemment, au centre Pompidou, bien sûr. Au musée d'art moderne de la ville de Paris également. Parce qu'il y a eu une donation qui a été faite par le docteur Girardin, qui était le médecin donc, de Madame Dufy, et qui a légué au musée donc, de la ville de Paris toutes ses œuvres qu'il possédait de Dufy. Et il a eu également le musée d'art moderne de la ville de Paris. Les œuvres dont a hérité la compagne
et la garde malade de Dufy, qui s'appelait Berthe Veil, qui a veillé sur lui parce qu'il était séparé de sa femme. Et lorsqu'il a voulu quitter Paris au moment de la guerre, juste avant, et qu'il a été à Perpignan, il y avait toujours cette Berthe Veil qui s'occupait de lui parce qu'il était déjà atteint de cette maladie chronique évolutive, vous voyez, articulaire, dans son corps. Il avait, quand on voit les photos, il peignait de la main gauche, il dessinait de la main gauche, mais il a les doigts complètement défaits, il ne marchait pas très bien, et elle le traînait toujours dans ses poussettes. Lorsqu'il a été, vous savez qu'il a été photographié en 1949, près de ses œuvres, au musée dans la ville de Sète. Et là, il y a un médecin américain de New York, le professeur Hamburger, qui a vu Dufy, qui était atteint de cette polyarthrite chronique évolutive, donc cette maladie rhumatismale, et il a écrit à Dufy pour lui demander de venir dans son hôpital, et il a pu le soigner à la cortisone. Et Dufy a pu user justement de toutes les capacités que pouvait lui offrir justement la quiétude et la sérénité apportée par ce médicament de la cortisone. Et vous savez que la cortisone, c'était un médicament assez dangereux parce qu'il provoquait des hémorragies dont a souffert Dufy. Il a dû arrêter justement ces médicaments. Voilà. Mais c'était lorsqu'il est mort, il était toujours accompagné de Berthe Reiss. Et Berthe Reiss, il est mort à Forcalquier, dans le midi de la France, parce qu'il avait demandé à la météorologie française quel est l'endroit le plus sec et pas du tout humide pour ses rhumatismes. On lui avait dit dans le midi de la France, un peu vers en bas des Alpes, il y a la ville de Forcalquier. Et donc il a acheté une maison là-bas, un appartement, il avait un atelier, et il a fini ses jours à Forcalquier. Mais évidemment, sa maladie était très avancée et il est mort. Et quand il est mort, Berthe Reiss, qui l'accompagnait, a hérité de lui beaucoup de tableaux. Et comme elle était célibataire, à sa mort, elle a légué au musée d'art moderne de la ville de Paris toute la collection qu'elle avait eue de la part de Dufy. C'est pour ça que le musée d'art moderne de la ville de Paris, si on veut voir beaucoup de Dufy, là. Mais également, Pompidou n'en expose pas tellement. Voilà. Une grande influence de Matisse. C'est si grand, cette influence. Oui, dans les aplats de couleurs, dans la liberté d'exécution. Dans la liberté d'exécution. Et puis Matisse a été le premier, quand même, à se lancer dans cette aventure très personnelle de l'art. Je ne vais pas faire l'éloge de Matisse, mais si, moi j'admire énormément Matisse. Mais Dufy a été vraiment subjugué par les œuvres de Matisse qu'il a découvertes au salon d'automne de 1905. Il a dit que justement, il a découvert ce que pouvait lui apporter justement toute cette liberté d'exécution d'une œuvre dont témoignait l'œuvre de Matisse. Et donc il a abandonné un peu le côté assez descriptif, assez conventionnel qu'il avait reçu aussi bien au Havre, chez le professeur Lullier, que quand il est arrivé à Paris également, où il était encore sous l'influence de ses maîtres. Mais il n'avait pas vu Matisse. Et c'est au salon de 1905 qu'il voit Matisse et qu'il découvre Matisse et Gauguin. Hein. Il découvre les deux œuvres et il est subjugué par cette liberté extraordinaire d'utiliser la couleur, non pas pour décrire, mais pour témoigner des formes représentées. C'était une très grande avancée dans l'histoire de l'art que Matisse, voilà. Mais il a été très... Matisse ne l'aimait pas du tout, Dufy n'aimait pas du tout Dufy. Seulement, il s'est rapproché un petit peu de Dufy dans les années 1945. Et à la mort de Dufy, il a écrit un très grand éloge de Dufy. Donc, à la mort de Dufy. Mais autrement, il était très personnel. Il avait un très mauvais caractère, Matisse. C'était pas un homme facile. Et voilà. Il a tiré parti de sa maladie avec tous ses papiers découpés, dans son lit. Il a été énormément aidé.
Et puis sa grande œuvre, c'est la décoration de la chapelle de Vence, qui est absolument sublime. Je ne sais pas si vous avez été à Vence, dans le midi de la France. Il y a la chapelle qui a été construite et c'est lui qui a fait toute la décoration et de la chapelle. Il a même décoré des panneaux absolument sublimes, les tentures. C'est sa grande œuvre. Je crois que c'était... Voilà. J'avance sur l'itinéraire et alors vers la fin. Est-ce qu'il y a influencé d'autres peintres, plus modernes, plus actuels? Je ne pense pas. Soulage. Oui, Soulage, oui. Soulage. Soulage. Soulage un peu, oui. C'est vrai que Soulage, vous savez que moi j'avais rencontré Soulage dans une galerie, dans les années 60 et quelques. Et je lui dis, je me présente, il me dit, ah, mais vous savez que j'étais dans la même galerie, Louis Carré, qui vendait, qui s'occupait de vendre les œuvres de Dufy. Et j'ai découvert Dufy, et je lui ai dit, écoutez, c'est extraordinaire, dans la fin de sa vie, Dufy a beaucoup utilisé le noir. Et Soulage lui a dit, c'est formidable, ce noir, pourquoi utilisez-vous ce noir pour représenter la lumière? On n'a jamais vu la représentation de la lumière par le noir. Et Dufy lui a dit, oui, j'ai fait justement des ciels noirs pour montrer l'intensité de cette lumière. Et justement, comment s'appelle-t-il, le Soulage me dit, je suis arrivée au noir grâce à Dufy. C'est lui qui m'a mis vraiment la puce à l'oreille et qui m'a montré que du noir, on pouvait obtenir une lumière exceptionnelle. Et il faut voir le musée Soulage, actuellement, qui est absolument féerique quand on voit tous ces grands panneaux qui sont exposés et qui a une luminosité dans les noirs de Soulage absolument remarquable. Mais merci de votre intervention très enrichissante. Il y a d'autres questions dans la salle, je ne sais pas. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que vous êtes, surtout, je vais vous dire, l'importance pour Dufy, c'est de voir ses tableaux. Parce que le contact avec les tableaux est tellement éloquent, il nous parle tellement qu'on n'a pas besoin d'explication, on est pris par cette façon de composer son tableau, d'utiliser la couleur pour composer son tableau. Il faut voir les fonds de Dufy, les ciels de Dufy, et cette autonomie de la couleur très personnelle de Dufy, et très autoritaire et en même temps très évocatrice de ce qu'il a voulu représenter. Les ateliers sont très beaux aussi. Il avait un atelier à Paris, et son atelier dans le midi aussi, mais celui de Paris, il en a fait de nombreuses répliques, et toujours soit avec des modèles, soit avec ses tableaux, soit avec des perspectives de son atelier vers la rue où il était situé. Mais Dufy, je vais vous dire, il a été très aidé aussi par M. Robert. J'avais une photo de M. Robert et Dufy, je ne l'ai pas apportée. André Robert était son assistant. Et André Robert était peintre. Mais il ne peignait plus. Il était au service de Dufy. Et lorsque Dufy était pendant la guerre dans le midi, M. Robert était à Paris. Et Dufy lui écrivait, il n'avait pas le téléphone encore, et c'était la guerre, il lui disait, envoyez-moi telle œuvre, envoyez-moi mes pinceaux, apportez-moi ça. Il était au service de Dufy. Et à la mort de Dufy, on a vendu l'atelier de Dufy et c'est lui qui l'a acheté. Et donc, M. Robert m'a reçu dans l'atelier de Dufy où j'ai passé énormément de temps avec lui, où il m'a raconté énormément d'anecdotes et de Dufy familier qui vivait là, comment il vivait, où il peignait, ce qu'il peignait, etc., comment il l'a aidé. Et c'est prodigieux. Et André Robert a été un grand collaborateur. Il a beaucoup aidé pour la grande fée électricité qui se trouve... Donc, il décore tout un grand mur d'une salle qui est au Musée d'Art moderne de la ville de Paris, à Paris.
et c'était au moment de la grande exposition de 1937, universelle, internationale, que la compagnie d'électricité a commandé à Dufy toute cette grande décoration qui a orné tout le pavillon de l'électricité de Dufy. Le pavillon d'électricité orné par la grande composition de Dufy. Il faut dire que ce pavillon était à côté, je vous raconte une anecdote, était à côté du pavillon où était situé Guernica. Et tous les visiteurs tournaient le dos à Guernica et ne voyaient que le tableau de Dufy, parce que, évidemment, Picasso n'était pas encore très célèbre à l'époque, comme il l'a été par la suite. Mais c'est amusant de le dire, c'est une anecdote, parce que, en fait, d'avoir eu Guernica à Paris, c'était exceptionnel. C'était vraiment exceptionnel. Voilà. Mais la ville, en ce moment, d'ailleurs, il y a une salle Dufy qui est magnifiquement, parce que ça a été restauré, c'est très beau. C'est très beau. À un moment donné, le conservateur, qui était une femme, n'aimait pas beaucoup Dufy. Elle n'a pas beaucoup exposé dans les salles du musée. Et après, Dufy a bénéficié de tout son intérêt. J'ai une autre question. Souvent, on pense que Dufy, quand il a vu l'exposition de Cézanne dans le Salon d'automne et dans la galerie Vergès-Jean, il a beaucoup changé son style. Mais pour quelques historiens de l'art, on pense de l'influence de Cézanne et le début de du cubisme. Comme un deuxième poursuit de l'autonomie de l'art. Est-ce qu'on peut penser le fauvisme comme un premier état et le cubisme comme un deuxième état pour l'autonomie de l'art Dufy a fait la fusion, la relation entre les deux, justement. Parce qu'on peut penser à une continuité dans ce point de vue, je crois, non ? Mais non. Et c'est justement, c'est très bien de souligner ça, parce que cette influence du cubisme sur Dufy était très importante. Très importante. D'abord, ça l'a aidé justement à composer ces tableaux. Dans la composition même du tableau, cette structure, il ne se laissait pas aller simplement. Donc il y avait une exigence intérieure de Dufy qui a veillé justement à une certaine qualité des compositions de qu'il a élaboré par la suite dans sa peinture. Voilà, ça c'est évidemment. Mais Dufy a beaucoup souffert quand même dans l'histoire de l'art de l'importance de Matisse. Et c'est vraiment à partir des années 1950, enfin juste après sa mort, que on lui a consacré une exposition, une rétrospective au musée d'art moderne de la ville de Paris. C'était la première grande rétrospective qu'il a eue. Donc c'est à partir de là, justement, qu'il a pu influencer la jeune peinture. Mais il a lutté quand même, c'était difficile. Mais il a eu aussi des collectionneurs étrangers, c'était pas mal pour lui. Voilà. Mais c'est un peintre qui est attachant par sa peinture. Moi, personnellement, Dufy m'a beaucoup intéressé par sa démarche intellectuelle, par sa démarche esthétique, et sa sensibilité. Mais il était assez égoïste. C'était un peintre assez égoïste. Mais quand il était à Perpignan, il a eu la chance d'être soigné par le docteur Niccolo, qui avait sa clinique. Donc il a soigné les rhumatismes de Dufy. Et il a hébergé Dufy. Et son premier atelier à Perpignan, c'était dans le salon du docteur Niccolo. Il avait mis à sa disposition donc son appartement. Et ensuite, il a été dans la deuxième maison du docteur Niccolo qui m'a reçu. Enfin, lui, il est mort. Mais son fils était médecin. Il est toujours médecin, d'ailleurs. Il m'a reçu chez lui, justement,
Et il m'a beaucoup parlé de Dufy et comment, le pourquoi, le comment, etc. Ils m'ont beaucoup aidé aussi dans la préparation de non pas de la thèse, mais du catalogue, des catalogues de Dufy que j'ai fait par la suite. Il est toujours médecin là-bas. Peut-être qu'il a ça, il est à la retraite, je ne sais pas. Maintenant, il doit être, oui. Mais enfin, il a bénéficié d'un climat et d'une de personnes chez qui il était très éclairé, qui étaient des collectionneurs, qui étaient intellectuels. Donc pour lui, ça l'a conforté dans toutes ses recherches, dans toute cette exigence qu'il avait d'aller plus loin encore. Ça, c'est... Voilà, si vous avez d'autres questions, c'est avec plaisir que... Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention, en tout cas. Voilà.